Après avoir commencé son épopée musicale au sein du groupe Boxon, Valentin Marceau nous revient avec son premier album, très prometteur, À nos amours. Alors dansons. Peu après son passage sur la scène du Vieux-Port de Marseille, nous sommes allés à la rencontre du jeune artiste avant son concert à la Boule Noire de Paris. Auteur, compositeur, interprète, il est actuellement le coup de cœur de Jean-Louis Aubert et de Grand Corps Malade. Inspiré par Raphaël et Bob Dylan, Valentin Marceau nous a déjà fait découvrir son premier titre, Dansons, dont la mélodie du refrain est plutôt accrocheuse. Valentin, tu vas dans quelques minutes monter sur scène, présenter à ton public ton premier album qui s'appelle À nos amours. Dans quel état es-tu en ce moment ? Un peu stress quand même, mais bon, en même temps j'ai hâte de pouvoir présenter cet album, pouvoir tester l'émotion en direct quoi. Comme la plupart des artistes ont des rituels avant de monter sur scène, il y en a qui ont l'habitude de prendre une gorgée d'huile d'olive ou de se brosser les dents ou de faire une prière. Toi, c'est quoi ton rituel ? Mon rituel, c'est de m'isoler un peu et de repenser à pourquoi je fais ça en fait. D'accord, donc là c'est mal parti parce que t'as l'interview juste avant. ouais, c'est sûr, mais je vais quand même prendre une minute tranquille juste avant. D'accord, de monter pour vide. Faire le vide et me dire ok, j'ai envie de faire ça, c'est parce que j'ai envie de dire ça. Voilà. Puis ça va mieux, puis on est plus serein avec nous-mêmes. Comment décris-tu ta musique ? Moi, je pense que ma musique, c'est une petite épopée romantique, quoi. On écoute, puis c'est des voyages amoureux qu'on a tous un peu vécu. Tu es le genre d'artiste qui écrit sur un calepin chaque phrase qui lui vient par la tête, ou t'es plutôt... Ouais, je suis un peu ça, ouais. Sauf que j'ai pas le calepin romantique, je suis plus sur mon iPhone en train de prendre mes notes, mais ouais, je suis assez comme ça, quoi. Je prends le métro, je vais voir quelque chose qui me vient en tête, je vais le noter directement, ouais. Si je te demande de te décrire en trois mots. Amour, voyage et révolution. Tout simplement. Ouais. D'accord. Ouais. Bah écoute, je te propose, parce que je te sens un peu stressée, un peu que t'as hâte d'être sur scène, je te propose de faire un petit jeu quiz qui s'appelle Quizy le Sprint Minute. Je vais commencer la phrase par « Ah, si j'étais » et tu devras terminer. Par exemple, si j'étais un fruit, je serais une pomme. D'accord, ouais. Je suis assez lent, donc je pense que je vais pas battre le record. D'accord, je pense qu'avec un chrono, tu seras un peu obligé à accélérer ces 60 secondes. Et je te cache pas qu'il y aura un classement des artistes sur, sur notre préparez page Facebook. Bien le fond de classe, préparez bien le fond de classe, ça arrive. On y va. Donc c'est parti, 60 secondes, top chrono. Alors, si j'étais un dessert. Je serais un éclair au chocolat. Si j'étais une boisson. Je serais du iced tea. Un accessoire. Un collier. Une destination. Montréal. Un clip qui t'énerve. Un clip qui m'énerve. Le mien, parce que je me trouve jamais assez bien dedans. Un clip qui te fait danser. Un clip qui me fait danser. Oui. Un clip qui me fait danser. J'aime bien Ne partons pas fâchés de Raphaël. D'accord. Un bon film. Si t'étais un bon film. Si j'étais un bon film, je serais. Fenêtre sur cour de Hitchcock. Si t'étais une bonne série télé. Dexter. Si t'étais en featuring avec quelqu'un, ce serait avec qui ? En featuring avec quelqu'un, ce serait... Francis Cabrel, j'aimerais beaucoup. Ok, si t'étais une grimace. Si t'étais une blague carambar. Tu connais la blague de l'homme sans pouce ? Non. Elle est comme ça. Une blague car en bas. Voilà, c'était le but. Si t'étais une question bête qu'on te pose à chaque fois. Une question bête, à quel âge as-tu connu ? Non, c'est bien, non. Si j'étais un harmonica. Si j'étais un harmonica. Si j'étais un harmonica, je serais en sol. D'accord, bah écoute, je sais que tu sais faire de l'harmonica, donc je te propose de nous jouer un petit truc. Ah bah bien joué. Et de toute façon, c'est terminé. Pas mal, pas mal. Bah écoute, tu remportes ce défi. Hein. Bah, maintenant, reste à savoir si qui fera mieux au niveau des réponses. Ouais, j'ai essayé de me presser un peu, mais ça a brusqué. Hein. Va falloir que je me réveille un peu. Merci beaucoup pour ce moment, Valentin, et je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Pour bon courage pour la suite et pour le concert. Et ben merci. Nous, écoutez, on se retrouve prochainement dans Quizy et restez connectés sur Facebook et sur YouTube. Merci à vous. Bonjour. Salut Valentin Marceau, ça va ? Ça va très bien, toi ? Ça va, merci. Vas-y, bien. Bonjour.